Fêtez la gastronomie avec la Chambre de commerce et d'industrie des Alpes de Haute-Provence. Pour la fête de la gastronomie, le 22 septembre, venez à la découverte de 11 restaurants d'exception. Je vous emmène, ne vous privez pas, vous passerez un très bon moment. La carte de sens et saveur, qu'est-ce que vous êtes attaché à faire en termes de cuisine ? Il n'y a pas vraiment d'attachement. Nous changeons toutes les 6 semaines environ parce que voilà, il faut s'adapter aux saisons, aux fruits, aux légumes qui nous sont proposés. Et du coup, on change très souvent. On n'a pas énormément de choix, mais voilà, du coup, on privilégie le changement plutôt que le choix important. Mais est-ce qu'il y a un plat que les clients ne voudraient pas voir disparaître de la carte ? C'est vrai que nous avons un risotto toujours en place qui change, mais c'est vrai que les gens l'apprécient beaucoup. Donc on essaye de se renouveler sur ce plat autour du risotto. Préparer un risotto carnaroli au moule safran. Laurent, le 22 septembre, ce sera donc la fête de la gastronomie sur le département. Allez, qu'est-ce que vous allez nous proposer en petit plus ? Tous les gens qui viendront auront un apéritif offert. Voilà. Bon, donc il faut passer la porte de Sens et Saveur. Et oui, il faut venir nombreux. Retrouvez toutes les infos de la fête de la gastronomie sur le site de la Chambre de commerce et d'industrie des Alpes de Haute-Provence.